Donc, je dis, mais ULCC, tout, je ne vais pas cracher sur le travail enquêter ULCC. Yo. Mais il faut regarder que yo même tout. Il faut que yo retourne enquête là, mais il faut amener de enquête tout de on période en la période. Parce que li important pour nous garder le rapport de Caribéen. Li important pour nous garder CIRH là. Li important tout que on ensemble d'autres institutions qui entrent dans l'état tout que il y a des scandales de corruption, il y a des dénonciations que de employés boîte ça va faire. Ça veut dire ça on pense que acclamer public dio, clamer public dio. On regarde on est en cours à Viol Florence ministre planification. Je dois regarder que confrère nous dit ça non. Li lance l'en véritable bataille avec Ariel Viol Florence que li dit l'aime c'était ministre planification. Tu as de gros corruption qui fait la donne. Mais est-ce que ça yo yo pas arrivé dans oreille ULCC tout. Est-ce que ULCC enquête yo yo pas arrivé à mener en dedans ça ministre planification. Et moi tande un ensemble de monde tout qui a dénoncé enquêteur ULCC comme quoi vous m'y dit comme quoi que enquêteur ULCC yo t'a metté de pression sur un ensemble de monde comme quoi comme si pour ta bailler de l'argent peut pas ta mettre non dans rapport wa. Bon il bailler de monde qui a dit qui pas prouvé on parle de Badjo oui qui pas par contre frère mais qui pas prouvé mais je dis là on comprendre que est-ce que ça Royaume-Uni dit, hein? Est-ce qu'ils ne sont pas de vérité par rapport avec Nations Unies? Est-ce que tout, Royaume-Uni, qui Nations Unies, il y a plein situation haïtienne, même avec CARICOM, peut faire capital politique yo, et faire capital économique yo avec yo. Parce que tout, nous tous ensemble, après la situation haïtienne, il y a fait capital yo avec elle. Je dis, hein, un peu plus important pour nous dire que nous-mêmes tout, nous avons capacité pour nous questionner ça. Nous ne pas cracher sur le travail ULCC. Nous ne pas cracher sur le travail comme si de l'instance qui entre dans l'État. Mais il faut nous questionner tout. Est-ce que ensemble de ça, tout, est-ce que pas des débats que vous méritez? Est-ce que maintenant de faire des débats sur vous, des jeunes? Bon, oui, il mérite qu'il fasse des débats sur vous. Et c'est pour ça qu'il vient avec comme point. Et bataille politique, économique, diplomatique, ensemble pays qui fait partie du groupe puissance première, ils ont entendu pour servir avec Haïti comme petite cobaye, comme petit jouet, pour faire expérience. Et en pile, ils ont gardé Haïti comme pays de réserve, pour être capable d'extraire des mines que nous avons dans le pays. Pour ça, ils ont plongé dans des carreaux, ils ont plongé dans des difficultés totales. Et aveuglement, ou ap gen pou d'accord, n'importe ça que vous proposez et vous faites avec des causés haïtiens qui prennent disposition pour vendre la République à yo. Et oui, li mérite pour ta gagner, tant que vous sautez ces docteurs râler, vous dites ça non, non, laissez frapper qui gagne, échange qui gagne, entre monsieur contre Aviol Fleur, et nek qui te gagne parti politique qui te rele Nouvelle Haïti. Hein. Bon, semble Nouvelle Haïti a sans doute c'est pour nèg yo, mais pour les haïtiens et malheureusement, m'pa kwè que Haïti qui n'a vivre là, li vraiment nouvelle vraiment parce que situation vraiment vraiment lamentable, yo difficile. M'kwè Aviol Florent te voyé un papier timbré pour vous dire ça non. Vous dire ça non, te dit oui, lui-même il pral la justice. Parce que il y a assez de preuves nan mel que Aviol Florent li plongé. Bon, la corruption à travers pays pendant le ministre planification chaque nègre ou te mettre nègre te gagne des visages ou estimer que ou gagne caractère mais depuis arrivé dans poste il a fait l'obéi depuis arrivé dans poste il a fait causer ensemble causer ça qui bail gros problème qui bail tête fait mal avec la République qui fait ou même moi-même nous pas gagne l'espoir malgré tout ça que n'a essayé faire travail créer business pour au moins pour nous rester capable autonome nous pas besoin de chance à vrai parce que corruption il valait tout système il valait tout espace il valait tout secteur à travers pays a l'orgue la justice qui ferme la justice pas parler pour affronter corrompu pour affronter corrupteur et eh bien il pas plus gens c'est pour la justice qui essaie garder parce que la justice élève une nation. Nous garantissons que nous avons justice dans le pays, il y a des personnes
question corruption qui n'a pas lié et la fond tant que ces bombeurs qui trouvaient le soleil. Ça c'est sûr que nous quoi ça et nous quoi que je dis à fond bataille pour ça. Alors me dis non, c'est tout secteur toute couche confondue parce que je dis à les clés font parler de ça. M'a regardé que désir bon quoi ça passé comme information depuis avant-hier que m'apprendre que autorité dans niveau département nord-est et au saisi ensemble de encore et décédé des bouts de sac viande gâté pourri que des monde traverse ensemble avec yo ça encore li encore attire attention en pile monde le bord canal là en pile autorité départementale en pile autorité de, communale bien que ne connaît que Ariel Henry récemment il était chita parler avec avec des autorités dans niveau département nord-est paysan bon et qui ça pral sorti comme solution ça pral sorti comme réponse dans cadre chita parler ça yo jusqu'à présent nous-mêmes nous pas informé de ça pral sorti parce que pas oublier et pas première fois que m'bab dit Ariel Henry mais me songe que premier délégation que t'a parlé avec soit comité canal dans le Bohan et de autorité dans le département il était là dans le ministre commerce et industrie haïtien qui c'est Ricard Saint-Jean il était gain tout ministre environnement James Kader il était gain ministre agriculture qui c'est Charles Brady il était gain un directeur bail géospatial haïtien qui c'est monsieur Pierre et on était que dans chita parler ça yo te gen de promesses qui étaient faites et promesses pas de jambe cap pour jusqu'à présent me dit que yo pas jambe ca atterri vraiment et ça qui vient sauver colère la caille et mon cap travail dans canal là soit bossio ou bien de l'autre monde qui estime que je dis hein yo pas gain droit et l'état pas il va quitter l'état venir faire diversion dans question de travail canal là qu'a fait là parce que là en pile là yo et je dis que faut questionner ça faut regarder ça par rapport avec et ça qui gagnait ça qui existait et dans question ça et j'en dis tout à tout que n'apprendre que auto autorité et dominicaine yo rapatrié là ensemble de on ka dit 324 et ressortissants haïtiens selon ça qui dit bon côté Vodbef info mais selon ça qui dit direction générale et migration DGM annoncé lundi qui était 11 décembre non mais rapatriement 324 ressortissants haïtiens sans papier la caille voisin yo était entré illégal non pas Sierra de Bao Rico selon ça yo dit haïtien ça qui arrêté dans quatre opération interdiction immigration menée malheureusement Blaise et immigration menée c'est difficile Blaise et est-ce que tout bagarre forme là n'a pas essayé garder avec collaborateur jusqu'à on essaie avancer pour moi mais par contre ça qui passe c'est vraiment difficile pour moi rejoindre nous et parole lui a venir avec un pile coupé de temps en temps parole lui a coupé. OK. En tout cas, on a essayé garder ça quand même pour nous ouais. Mais haïtien ça qui t'a rentré et qui entre illégalement ces domaines, maintenant quatre opérations que yo t'ai mené à immigration, yo arrivé pas exactement, mais vous retourner haïtien ça reprend yo, yo vous retourner la canon en Haïti des Yvelines. Bon, et question rapatriement, question déportation République dominicaine envers haïtien yo, on connaît nous tout carré makel. Depuis après et lancement et travail qu'a fait sur rivière massacre pour capter de l'eau pour user pleine maribao qui a retiré tête haïtien sous responsabilité vente quasiment sous compte République dominicaine ou sous compte étranger et ça a été soulevé colère et autorité dominicaine déporter haïtien c'était une plan qui était gagné et gagné en pile d'haïtien tout qui était en République dominicaine qui t'a déporté tête yo volontairement avec volonté yo t'a quitté République dominicaine parce que c'est autorité pas nous yo qui nous besoin questionner c'est autorité pas nous yo nous doit gagner position critique contre yo parce que yo par exemple prend pièce position défense contre ou bien qui t'a ka venir en faveur haïtien ça yo qui trouvé en République dominicaine que autorité dominicaine yo pas traité yo tant que c'est moun malheureusement il a déporté ou pas banni pas paquet bon tout ça qu'il a déporté nous souhaitons bienvenue la caillo en Haïti pour au moins il vienne mettre main qui ca permettre un jour tant que je dis hein dominicain a venir chercher la vie dans pays d'Haïti tout parce que nous défendons autant on t'a bail au bourade ça lui pratiquement veut dire que son peuple qui hospitalier dans échange que nous gagner avec tout monde tout pays qui entourage nous que nous partager avec yo ensemble de ça que nous gagner comme l'adresse comme sagesse. Malheureusement, même yo pa gagnen, nou pa gagnen pour nous demander pour offrir nous, ça ou pas décider offrir. Tout haïtien ka rapatrier pour venir la caillou même que et yo estime que doit violer et comme ça tout haïtien qui pral aller en République dominicaine, nous connaît bon condition que nous doué réunir tant qu'il faut que nous gagne passeport, faut que nous gagne visa dominicain, faut que nous entendre nous checker
depuis nous fait tout ça yo, bon si on fait tout ça yo, si on déporte nous laisse ça n'a pas de gros problème, mais si ensemble d'étapes ça yo pas franchi et nous t'a dit automatiquement mon yo pas respecter la loi et puis République Dominicaine y applique la loi sur yo. Bon oui, nous même tout fond d'accord que nous pas qu'à faire à violer la loi comme si pour n'importe qui légal tout la caille mon yo, mais pas oublier tout réseau qui fait un pied mon a quitter pays entre par non désir. C'est insécurité hein. C'est grand gouan oui. C'est violence là oui. C'est chômage là oui. C'est ensemble de ça qui fait que nous avons quitté le pays. Hein? Parce que si conditions réunies en deux pays, hein, d'accord avec moi, je ne vais pas mentir, ou quand vous voulez quitter le pays, hein, ou quand vous voulez voyager, mais vous ne pouvez pas avoir une force, une obligation, fuck ou aller. Et où est-ce que récemment, dans le dernier rapport d'eau qui était présenté par Enomi Germain, où est-ce que clairement que 80% haïtiens veulent quitter le pays hein, pour aller à l'étranger? Eh bien, qui est-ce qui a poussé au monde quitter le pays? C'est condition à vivre dans le pays ça. C'est normal, il y a des gens qui ont des visas normales. Il y a des gens qui ont décidé à vivre de l'autre côté. Mais vrai réseau pas nous en Haïti, c'est insécurité, c'est misère, c'est violence, c'est chômage. J'ai non fait 4 facultés, 5 facultés, 6 facultés. Lui est que pas qu'un travail. Et ça pas décidé que des amis dans yo. Eh bien, où est que eux même, ils ont décidé quitter pays hein? Imaginez que on part un jour d'accepter collecter rassembler 3 à 4 000 dollars américains pour le café petit équité pays hein. Ouais, imaginez ça. En tout cas, je dis à moi que l'important pour nous garder ça l'important, zami internaute, mais ça nouvelle blaise info et ben une nouvelle. Merci tout le monde. Ou avem désir. Ou la ou avem. Pas passé. Bon oui, nous n'a dit clairement que avec Zamio que et nous retourner puisque nous t'estimer que tu es une société technique que nous essayer à gérer et désir tourner avec nous désir. Ou recevoir bien contre Yakounia. Oui, ou correct Yakounia. Yeah, nous t'a dit que en pire ce que fait haïtien frère c'est nous yo même, yo quitter pays hein, c'est et pas c'est problème sécurité, problème grand goût, problème misère, problème chômage. Et ensemble de problèmes, ça aussi, c'est la cause que ça arrive. Et je dis à comprendre bien, je dis à d'accord avec moi que, et autorité dominicaine, il y en a plein de droits aussi. Parce que si vous établissez des conditions pour que vous puissiez rentrer la caillou, vous êtes obligé de respecter. Parce que vous ne pouvez pas déplacer dans un pays illégal. Mais kounya, et quand même, tout, il y a ce qu'on appelle gens qui ont déporté, forme déportation. Yo. Ça est important pour nous garder le tout. Ça est important pour nous questionner. Le. Parce que nous estimons oui, qu'en plus fois que, en plus fois, les a déportés frères et sœurs, ils ont déporté dans de mauvaises conditions. Faut nous dire ça tout. Et l'État haïtien pas jamais vraiment prend des positions claires, prend des positions fermes sur ça, les Ivenes. Bon. Et en tout cas, bon c'est que n'a mettez bout dans émission pour aujourd'hui là oui. N'a mettez bout dans émission hein, la priorité pour capable retourner à une autre émission pour demain matin si Dieu voulant. Merci tout le monde, merci des Ivenes. Bon, très bien et blessé situation sur société technique qui a frappé fort. Nous dit mon yo recevoir les gens aujourd'hui hein, et nous dit merci n'a croisé et pour l'autre émission que nous avons gagné pour demain matin. Nous disons merci parce que tu as fait choix. Et mes cette nouvelle point une nouvelle Blaise Info qui peut informer yo et faire analyse sur ensemble de informations qui gagnent et à travers le pays. Merci Désir, merci tout le monde.